Et salut à toutes et à tous, c'est le Cuneur. Nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps que je n'en ai pas fait, je suis désolé, mais j'avais un peu la flemme pour en faire. Nous nous retrouvons sur mon serveur. Ce n'est pas un serveur comme ça, par exemple, c'est mon serveur. D'accord. Et attendez. Mais je comprends pas. On va se retrouver sur mon serveur. Donc, bienvenue sur le serveur de Max1801 et GunJB71, à force, vous savez c'est qui. Nous sommes en construction, mais c'est pas grave, regarde ce que l'on a déjà fait. Allez, à plus. Désolé, attendez. Voilà. Donc, viens sur ma chaîne, c'est le premier. Ça, vous savez, ça vous l'êtes. Ça sera un petit truc là qui apparaît souvent. Donc, sur les panneaux, alors nous avons Tutor Redstone que par groupe de plus de 4 personnes. Donc, Tutor Redstone, c'est des petits systèmes que les gens peuvent faire pour que les autres aillent voir. Après, ils peuvent écrire ça dans le chat, voilà, pour que les gens puissent apprendre un peu la Redstone, quoi. Donc, nous avons des Warps, donc Slash Warp Bellevue pour la plateforme. Donc, on a une plateforme en vert qui est tout là-bas. On ira sûrement. Bienvenue sur le serveur de Mamaxis et GunJB71, serveur PVP zombie et mini-jeu. Là, j'ai fait une faute, je sais. Je te remercie d'être là, merci d'avoir placé ça au PFN. Moi, je le suis parce que, logiquement, c'est moi qui tiens un serveur. Voilà quoi. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir là. Vous l'avez sûrement déjà remarqué. Slash spawn, slash warp, impeccable. Slash spawn, ça nous envoie directement là. On va spawner au spawn. Donc on va faire slash warp, belle vue. Alors je crois que c'est un nouveau effet. Et hop, on est sur la plateforme. Le spawn est là-bas où j'ai mon curseur. C'est bah, le spawn quoi, avec le petit. Hop, on va mettre la nuit. Et donc voilà, on voit ça la nuit, et c'est magnifique, mon gars. Voilà, on voit pas tout, avec le chargement des chunks en même temps, voilà, parce qu'il y a une arène là-bas. Extrême, on va se mettre. Ouh, oh là là. Le temps que ça se. Voilà quoi. Oh, c'est quoi ce chargement? Ah, ça charge pas très vite. Hein. Moi, c'est que j'avais jamais touché trop à ça, moi. On va se mettre en 25. Et parce que là, c'est qu'on voit rien. Bon, bref, vous avez vu si, quand on sera plus en construction, vous pourrez venir sûrement. Je l'ouvrirai sûrement. Bien, bah quand il sera fini en public, je pense. Le chargement comme c'est de la merde, nickel. Donc nous avons des routes bétonnées. Donc là, on n'a pas fini tout sécurisé. Là, ça l'est sécurisé. Là-bas, toutes les constructions, c'est tout sécurisé là-bas. Donc, RN mini-jeu, ça c'est un plugin. Hein. Ça, c'est un plugin. Voilà, j'en ai 10, donc c'est holographic display pour faire ça. Et je trouve que ça rend assez joli, vraiment. On peut même modifier la couleur avec. Donc c'est avec ça, on fait comme ça, on a un livre et voilà. En fait, il faut qu'on écrive ça. Alors, regardez, imaginez, on va écrire en bleu clair, donc EB, et en, comme ça, là, YB, YB, EB et K, ok.
C'est pas ça, parce que là, je suis en majuscule en fait. Et B et K. Voilà. Donc ça peut être assez pratique. Même vous, je pense que vous pourrez écrire comme ça. Voilà. Donc on a la bataille Fire, j'aurais dû écrire comme ça. Mini-jeu by Marmex et Zoran. Hein. Donc It's Me, hein, bien sûr. Car je suis pauvre premier du serveur là. Donc la bataille Fire, c'est un truc tout con, c'est on aura des briquets. Et avec les briquets, en fait, on va devoir fouiller les personnes. Donc pour ça, je mettrai sûrement les personnes en game mode 1. Game mode 1, game mode 0. Et non en game mode 2. Parce que comme ça, j'aurai juste à sécuriser tout. Là, tout là, c'est sécurisé, hein, si je pose le dire. Donc on a déjà boutique dormant pour le mini-jeu Weapon of Killer. Donc le mini-jeu Weapon of Killer, c'est si j'ai pas de conneries, les armes du tueur, quoi. En gros, c'est ça, je crois. Même j'ai besoin de ton nom, tu me corrigeras si je dis une connerie. Merci, dédicace à toi. Donc, c'est quoi ces armes? Ces armes, ça, c'est très simple. Oui, donc ça, vous pourrez pas y faire, vous, bien sûr. C'est le plugin Crackshot, je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'il est. Voilà quoi. Shot get, une commande que vous n'aurez pas, vous. Shot get, on va prendre le bazooka. Ça nous a donné une selle de cheval. Ici un bazooka, car regardez, un shot là, hop. Des beaux bruitages. Là il recharge. Ça, ah, j'ai poigné, il fait trop loin. Une gueule de 47. Hop. Il n'y a pas un bouton, je sais pas quoi. Ah oui, attendez, il fallait que je sache quelque chose. Pourquoi je ne sais pas. Ouais, donc ça sera à voir là, les œufs. Oui. J'en étais à... Parce que j'ai plus rien qui spawn là, en fait, je peux plus rien faire spawner, je peux pas faire spawner ça. Déjà, slash... Ouais, je sais c'est quoi peut-être. Mais c'est pas ça, mais c'est que les œufs, je peux pas en faire spawner. Ah bah là, je peux, bon, à mon avis, c'est parce que j'avais remis mon tuyau. Voilà, c'était pour montrer. Là déjà je peux en faire spawner, c'est déjà bien parce que j'arrive pas à en faire spawner et en fait donc ouais c'est bon, ouais. Va dans la lave toi, truc du cul hein. Donc une arène PVP bien sûr, donc avec commande ici et l'arène infectée zombie quoi, hop on va se mettre en spectateur là. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait le retour, là, faut que j'y fasse. Donc il y a des torches partout, hein, ça c'est tout à fait normal, même si j'en enlèverais, je pense. Et donc en fait, donc on a fait des zombies de chaque côté, avec bien sûr les barrières levées. Normal. Ah là, des zombies là, des joueurs au milieu, un ou des joueurs. Ça varie en fonction du nombre de joueurs. Je suis encore une boulette d'habitude là. 9 minutes, ouais, quand même. Bon, ça va. Donc, des zombies. La personne qui est au milieu va se faire défoncer par les zombies. Après, il a le droit d'aller acheter des choses. Donc, à la boutique PVP, bien sûr. Parce que la boutique PVP, là, infecté zombies, on va dire, ça va à peu près pareil parce que si tu tues déjà,
que celle d'armement, c'est pas du tout pareil. Donc bon, je vais pas vous montrer celle d'armement, celle de Weapon of Killer parce que c'est la même. C'est ce que j'ai copié-collé. Une petite construction, un château. Château avec un lanceur de flèches automatisé là. On va compter 3 secondes. 1, 2, 3. Voilà. J'essaie de gueuler un peu fort. Et voilà déjà toutes les flèches que l'on a. On verra le nombre de stacks qu'on avait et tout. Hop, il reste là, voilà, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, presque 6 stacks, quand même, en 3 secondes, ça fait pas mal quand même, enfin, c'était un petit truc, c'est bon, un PVP, voilà, avec les équipes intérieures, hop, après on ouvre tout, je pense que j'en automatiserai tout avec de la redstone, il faudra que j'y fasse, tiens. Et après nous aurons des constructions de Genji 71, je ne vais pas rentrer parce que because je touche à rien parce que par exemple là vous voyez c'est les je touche à rien parce que j'ai pas sa mission donc je touche à rien moi. J'évite de toucher aux trucs donc des autres. Parce qu'en fait j'évite de toucher aux trucs des autres parce que j'ai pas envie que les autres touchent à mes trucs quoi. Voilà. Bon, bref, alors c'était une petite présentation du serveur. Du serveur, je sais pas, je trouverai un nom. Et sur ce, des nouvelles vidéos seront arriveront pendant ces grandes vacances. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.